Malcolm Moran, 1m90 de pur génie, 45 kg de viande fumée à la chicha goût Hawaï, dentition parfaite à rendre jaloux ton illustration de paquet Marlboro, cheveux crépus et teinture blonde sur barbe. Bref, voici l'élite de l'élite de ce que la diversité de ce monde a de mieux à nous offrir. Snapchatter et Instagrammeur de son chômage, Malcolm est une starlette de son temps, connu essentiellement pour s'être fait tirer par des demi-sacs en live alors qu'il a 20 ans et pour avoir michetonné une meuf pour son menu Maxi Best Of car son pouvoir d'achat est en crise dès qu'il s'agit d'affronter la vie, la vraie. Il a rapidement développé la technique du tu m'as bien halas, ce qui veut dire dans la langue de Bouteflika, tu m'as bien payé. Ce qui n'a absolument aucun putain de sens après concertation de mon cabinet de linguiste expert. Mattel tuteur. Allez, follow, c'est gratuit. Donc, en gros, notre ami Malcolm est comme on l'appelle un faux blédard. C'est-à-dire quelqu'un qui, en France, fait mine de placer trois mots d'origine maghrébine dans ses phrases pour faire genre que le sang, la terre, la communauté et tout ça, c'est le plus important. Alors que quand il va taper un bronzage midi 17h à son siège d'Alger, il est aussi moins influent que son neveu de 4 ans qui confond table et robinet. D'ailleurs, je ne sais pas vous, sans être raciste. Premier point, je ne suis pas raciste. Trout. Et l'anglais sont les seules langues où vous pouvez entendre quelqu'un les mélanger à une autre sans paraître pour un abruti. C'est le fameux je veux prouver ma légitimité auprès de Kader le tonton des terres que je suis bien de son sang pour éviter que les petits bourgeois du 6ème me comprennent. Avec des phrases telles que tu m'as bien halage. Après, je comprends totalement que ton daron ou encore ta daronne mélange français et trout parce que ce n'est pas leur langue maternelle. Mais lorsque toi, je te parle bien à toi, tu as passé tes 2 ans jusqu'à 20 ans en France à parler français, je me dis que tu nous prends pour un petit pigeon. Au pire, tu fais ce que tu veux, c'est pas ma vie. Mais bon, rien que de faire ça, ça te fait paraître pour un gros limité. D'ailleurs, dans mes vidéos, si vous entendez des Machalila, Starfulila ou encore Sar Such a Big Mon Plaisir, c'est que je me fous un peu de la gueule de ces personnes. Bref, reprenons. Malcolm est, comme on le dit, le Amin Mohit des temps modernes. Là où l'autre donnait des gros coups de ceinture pour compenser son manque affectif, le deuxième poste des snaps où il est en train de copuler avec ta sœur et d'autres où il est en train de se faire Dyson par ton autre petite sœur. Hein, pour te dire que c'est la seule personnalité française sur YouTube avec Alice Blue Deagle qui se retrouve sur YouTube, Snapchat et sur un autre site de culture française. D'ailleurs, Alice, si tu passes par là, on t'attend toujours, hein, parce que mon moteur de recherche a du mal à fonctionner. Non mais je suis pas Google, quoi. Bonjour Mélanie. Mais bon, la question que tout le monde se pose, pourquoi tout le monde déteste Malcolm? Je vous ai déjà donné les clés. Et maintenant, assemblons tout ceci grâce à mon incommensurable intelligence. Tu as vu, tu as lu, sur YouTube, chapeau pointu. Alors Malcolm Spéralas a débuté comme tout bon lycéen diplômé au McDo. Sauf que ce dernier est réputé pour avoir du haut de son physique de Madika, michetonné ou encore profité d'une fille qui lui paye son menu Maxi Best Of, car son alloc n'est pas encore tombé. Il lui a donc parlé comme un chien car c'est drôle et que sa communauté snap le trouve très très drôle. Bah oui, réfléchis un peu, est-ce qu'il lui aurait dit ça si son téléphone n'avait pas été allumé? Là tu m'as bien halas, j'ai bien mangé, là je vais rentrer, je vais me bloquer. Vas-y. T'as vu, ça va être carré ou pas? On fait ça ou pas? Pardon? Carré? Vas-y, carré, voilà. Je m'en bats les couilles. C'est moi, je t'avais pas. T'as pas de fesses. T'avais pas fait. T'es même pas bonne. Donc, première analyse psychique, c'est un fils de pute. Oui, ça c'est clair, net et concis. Seconde analyse, il se comporte comme tel, car c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Gars, je te fais l'image, certains ne sont pas drôles. Comme par hasard, on prend Malcolm. Et ce genre de personnes, les Malcolmbis, profitent du fait qu'ils ont une visibilité pour se foutre de la gueule de certains. Du coup, ils ont plus de réactions, ils ont plus de PTDR, t'es trop drôle, t'es de mon sang, et leur Snapchat tourne beaucoup plus. Après, bon, logique, from de logique, ils traitent aussi ses abonnés comme des chiens, comme le fameux ne crie pas mon blaze. Hey, les gens, quand vous me reconnaissez, évitez de crier comme ça parce que vous voyez c'est niafou là-bas là, tout là-bas là. Elles sont trop moches et voilà, j'espère que vous allez voir ma story, vous êtes moche. Criez pas mon blaze, ne criez pas mon blaze. Alors je ne sais pas si son manteau est réversible ou alors il a peut-être un miroir en face de lui. Mais bon, quand on ressemble plus à Brad que à Pete, on ferme sa gueule. Mais bon, on va savoir, peut-être qu'il réussit à pêcher grâce à son petit air de rebeu d'éternel un peu mystérieux sur les bords, machalinement viril. Même si la pêche vient de sortir de la maternité. Ah! Et bien sûr, que fait-il avec cette dernière pêche? Il l'affiche en story en train de se faire Dyson le dard. Mais bon, Dyson, Dyson, quand la meuf vient de sortir du tutoriel du haut de ses 14 ans et qu'elle vient juste de débloquer le succès Je ne suce pas que des glaces et qu'elle se fait ramener par tout le monde sauf par des cheminots, tu as le droit de te dire Starfulila. Et du coup, Monsieur Durand, une fois ses petits raisins pressés de leur jus, affiche encore sa petite et tendre du ciné. Incroyable, Malcolmisme, incroyable. Mais dans le cas contraire, que se passe-t-il si la meuf ne veut pas de son Mars? Eh bien, dans ce cas précis, il a l'excellente idée de partager à sa communauté le fait qu'une fille ne veut pas coucher avec lui, en la menaçant avec une bombe lacrymogène. Oui, oui, une bombe lacrymogène, hein, ne te pose plus de questions. Voilà, tu vas... La meuf, tu vas... Voilà, tu vas...
Alors cette histoire, si vous voulez, a fait le tour de Twitter. On a eu le droit au témoignage de la réceptionniste qui a vu la meuf détalée dans le couloir en train de chialer habillée en djellaba rouge. Elle a vu Malcolm débarquer dans l'hôtel, Malcolm en garde à vue, Malcolm accusé de VIOL. Le bon goût de démonétisation. Mais wesh. J'ai pas gassé, vous êtes des fous ou quoi? Après, la fille qui apparaît dans la vidéo essaye de s'expliquer sur Snapchat. Enfin, faut-il encore que ce soit la meuf de la vidéo? Sur la vidéo de Malcolm X qui a tourné, la meuf en question c'est moi. Et Malcolm X il m'a rien fait, il m'a pas touché, il m'a pas séquestré, il m'a. Rien passé, j'ai passé la soirée avec lui. Et à côté, qu'avons-nous? Tiens, tiens, tiens. Une autre vidéo d'une fille qui s'est soi-disant faite V-I-O-L-E-R. Ceux qui ne savent pas ou qui n'avaient pas vu ma tête, la fille sur la vidéo dans ma story avec Malcolm X, c'est moi. Nous, avec ma pote, on les avait prévenus, tu sais, on avait dit qu'il allait rien se passer. Ils nous ont dit ok. Au final, bah vas-y, ça s'est pas passé comme ça. Bref, son pote, il a fait des attouchements à ma pote. Après, il nous a gazé. Est-ce alors un faux témoignage à la Unwin pour sauver sa peau? Certainement. Car avec l'expérience du terrain que m'a fourni l'affaire La Salle, putain, on dirait que je viens de la guerre. Je suis sûr à 4000% que la fille, c'est comme toutes les autres de son âge, le bon toutou prêt à se plier en 4 pour un autre car il est populaire. Il lui a sûrement dit de dire voilà, fais-toi passer pour la fille, dis qu'il s'est rien passé, je sais où tu habites et voilà comment retourner l'histoire à son avantage. Mais bon, avec le passif de Malcolm et le fait qu'il parle de VIOL comme si qu'il s'achetait une baguette de pain, je me dis que tes contre-arguments sont un peu trop éclatax. Vous connaissez vos droits? Vous êtes français, vous? Allez voir les keufs. Dites à un mec qu'il a fait une vidéo où il parle des paroles. Où il dit ouais, il a meuf. Casier vierge, jamais d'antécédent. Faute de preuves, c'est que des paroles. En plus, c'est faux. Ou c'est vrai? Qui sait? Peut-être c'est faux. Peut-être c'est vrai. Vous saurez jamais. Bon, alors voici la situation. Vous voyez un mec en train de parler de VIOL en mode c'est de l'eau. Vous voyez un mec afficher des meufs en train de le twixer et d'autres en train de se faire Unga Ganda. Alors tu te dis, mais attends, il mérite main de correction. Et là, qu'est pas ça? Comme Amin Morito qui se faisait prendre des high kicks à Aqua Boulevard en option coup de serviette. Ralasman, aka Malcolm X, se fait racketter par des gamins de cité pour choper l'argent des abonnés. Malcolm se fait aussi frapper à l'entrée d'une bouche d'égout du métro parisien. Oh putain, mon cerveau me fait des siennes aujourd'hui. Et Malcolm se fait dans la rue. Quoi tu cours espèce de con? Ouais, espèce de con. Voilà, les petits c'est des baisers. Voilà, ils ont chopé votre cyber là. Mais bon, c'est encore et toujours la même histoire où un originaire d'origine fait un peu trop chaud sur les réseaux sociaux et se fait tranquillement un V4 à la sortie de son bus ticket gratuit. Donc je résume, pourquoi notre Malcolm National est autant détesté? Il est détesté car il considère et il parle aux filles comme de la merde. Il poste ses actes de reproduction en story sur Snap. Ok, si c'est ton délire de t'afficher comme ça, va sur... Prout. Bon, encore... Prout. Oh. Pas en story Snap, à moins que t'as un petit manque d'ego. Bah ça je sais pas. Il fait le beau sur Snap, mais dans la vie il se fait un V1 facilement, là où le buzz pullule comme Amin Morito. Sa fin est très très proche. Comme Amin, il sera bientôt oublié après 3 coups de serviette et il n'aura que son visage et son background pour pleurer. Et quand il voudra faire oublier toutes ses actions, quand il voudra par exemple se trouver un travail, bah le problème c'est que personne ne l'oubliera. Regard Morsa et regard Cortex, ils ont beau avoir changé, ce qu'on retient d'eux, c'est les insultes qu'ils ont balancées sur le net. Mais bon, ça tu savais déjà. Tu es assez adulte du haut de tes 20 ans, ma bite. En tout cas, personnellement, je vous fais la bise. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur Malcolm dans les commentaires. Et dites-moi, selon vous, pourquoi il est autant détesté. Et donc, pour ma part, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et aussi, j'ai mes réseaux sociaux en description. Allez, vas-y, fonce. Je t'ai dit, fonce. La pointe. Lâche un like, ho ho. Abonne-toi. Enterre tes morts. Suce ton père.